Hey yo tout le monde, c'est Chain. On saute du bus les amis. J'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Fortnite où je vais me faire passer pour un agent secret. Aujourd'hui, inspecteur 007 va sur le bateau pour vous montrer le premier secret de cette vidéo. On va voir plein de secrets cachés sur la map. Et on va commencer par un qui est sur ce bateau volant qui essaye d'échapper au chrome. Pour ce faire, on a besoin de chrome. Hop là, j'aime beaucoup cet endroit. Ça fait penser un petit peu au bateau Uncharted. Et si tu rentres à l'intérieur, t'as la cabine de Jack Sparrow. D'ailleurs, il est où Jack Sparrow? Jack Sparrow? Oh, il est là, Jack Sparrow. Il donne aspergeur de chrome ou fusil à pompe amorcée. Il a combien de vie? Ne le tuez pas, c'est pas rentable. Ce pirate cache un coffre-fort. On va descendre. Coffre-fort, double clé. J'ai pas de clé. Pas grave. Si tu casses le sol devant le coffre-fort, on peut tenter de passer dessous. Mais comment faire pour passer dessous? Faut être plus petit. Et c'est là où tu vas te chromer, te transformer en chrome. Et t'es sous le coffre. Y'a le stuff. Je vois le stuff. Je peux casser. Je peux me mettre du shield. Je peux casser ça ou pas? Oh, je prends toutes les balles. Oh, je suis bloqué là. Attends, il faut que je me retransforme. Ok, donc là je suis retransformé. Je vais me détransformer ici. Je prends ma pioche. Mais mec, est-ce que si je cache un coffre, j'arrive à avoir son stuff dedans? Oh. Ok, non, j'ai cru que j'étais arrivé dedans. Non, je suis sorti derrière. On a testé hier dans les vidéos mythes qu'on peut pas traverser quand t'es en chrome. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Merde. J'ai chromé le bateau, mince! À vos risques et périls, je pense que celui-là, Fortnite, ils vont le patch très vite. Et ça, c'est un des secrets qu'on va voir dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout, frérot. Et si t'es nouveau à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour rejoindre la team des déchaînés. Les vrais, ils ont déjà activé la cloche. Qu'est-ce que t'attends? On est dans mon casier pour te montrer un skin pay to win. Si tu as ce skin-là, qui s'appelle la sirène, tu modifies son style, tu mets le style film noir. C'est équipé. On a besoin encore de chrome, car si tu mets du chrome sur ce skin, il devient noir. Mais c'est quoi ce bordel? Peut-être que tu le remarques pas encore, mais c'est ultra. Ultra cheaté, surtout durant la nuit. Allez, allez. Wouhou. Il a dû me voir d'une couleur, mon gars. Encore? Je suis caché, on se transforme. Mince. Let's go. Pour ce secret, on va aller à Loot Lake, les amis. Il faut savoir que pile au-dessus du point zéro qui se trouve dans le lieu de Loot Lake, il y a une faille. Cette faille a fait spawn quelque chose sur la map. Donc on va se mettre en plein dessous. Là. Là, non, en plein dessous. Et on descend en bas. Oh, vous avez vu les tri-blocs où ils vont? Ils vont vers là. Qui est mort? Ça nous amène à une île qui était déjà présent lors de la dernière saison. Mais surtout, il y a un nouveau bâtiment dessus. Et qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est le bâtiment, la maison de Loot Lake qu'on avait durant le chapitre 1. Est-ce que pour ceux qui ont joué au chapitre 1, vous vous souvenez de cet endroit? Qu'on était tapis là-bas, au fond, on attendait que les joueurs ils arrivaient. Avant, il y avait des plafonds ici. Tu pouvais te cacher en étant accroupi. Mais ils l'ont enlevé pour plus qu'on glitch. Je pense l'endroit le plus emblématique de tout le chapitre 1. Donc, quand même, il faut se dire que cette saison, on a Tilted, on a Grazy Groove, on a Shifty Shaft et on a la maison sur l'île de Loot Lake. C'est un truc de malade. Savoir que quand tu rentres à l'intérieur, tu peux avoir une scar. Hey! Non, je rigole, c'était une blague, la scar. Prochain secret. Pour ce secret, on sait que cette saison, c'est la saison spéciale Halloween. Le pack du club de septembre, c'était avec ce skin. Et on a déjà l'information du pack du club d'octobre. Voici une image à l'écran de qu'est-ce que ce sera le pack. Et tu remarques pas quelque chose de bizarre? En haut, à gauche de cette image, on a un sorte de zombie chromé. Est-ce que ce serait un indice des zombies de chrome qui vont arriver durant l'événement Halloween? Des sortes de créatures créées par la tête chou-fleur. Va attaquer cet ennemi! Et puis, t'as les chromes et tout. Il se prépare et tout. On a une base secrète qui nous attend vers ce point. Le temps qu'on y aille, il faut que je te parle qu'on va pouvoir très prochainement voler sur des animaux. Ouais. Imagine un ptérodactyle et t'as ton skin, t'es dessus, tu voles avec. Dans les fichiers du jeu, on a une sorte de grappe pour pouvoir attacher ces animaux-là. Et on va pouvoir parcourir des distances dans le ciel avec eux. Ok, pourquoi pas. On monte bien des sangliers et des loups. On verra bien ce qui arrivera par la suite. Alors si tu spawns ici, pourquoi il y a un joueur qui spawn à mon endroit? Tu voulais prendre ma cachette secrète? Oh! Ouh là là, lieu notable découvert, labo de recherche Pégase. Ouh, qu'est-ce que ça serait cette table? On peut pas la casser. Ouh là, il y a un endroit aussi qu'on peut pas casser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Peut-être que c'est un centre de recherche pour combattre le chrome. Prochain secret. Bon alors ça les mecs, si je te dis que tu peux avoir la pioche de la Renegade Raider, la prochaine fois que tu lances ton jeu, regarde en haut pour inviter tes amis. Tu as marqué pote au top. Une semaine et 6 jours pour le faire. Si tu cliques dessus, inviter, jouer, profiter, rappeler vos amis éligibles ou de nouveaux joueurs pour jouer et gagner des récompenses cosmétiques ensemble. J'ai 1236 amis éligibles. C'est des personnes qui ont joué moins de 2 heures à Fortnite ces 30 derniers jours. Ils sont marqués ici. Ou sinon je peux inviter aussi un nouveau joueur. Scaler ce QR code et je le partage à une personne par exemple
personne qui a jamais joué. Et si je joue avec lui et fais des défis avec lui, je gagne ce revêtement, ce planeur et cette pioche. C'est la pioche Renegade Rider en flamme. On doit juste accomplir des quêtes. Mais mec, s'il y a des personnes qui ont jamais joué à Fortnite, créez-vous un compte. J'ai envie de jouer avec quelqu'un qui a jamais joué. Ou sinon une personne qui a pas joué ces 3 derniers jours. Il faut trop que j'ai la pioche Renegade Rider. Pas mal les secrets, hein. On en a pas encore fini. Car là, je te demande, si tu kiffes la vidéo, de lâcher un gros pouce bleu. Et n'oublie pas de me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code Unchained. Boutique d'objets, soutenir un créateur. Bam! Pour avoir un maximum de chats. Get-moi ce secret, mec. Tu sais, on peut toujours slide au sol. Avec sur les genoux. Look ça. Oh, y'a un mec là, y'a un mec. Regardez. Il va où? Il va ouvrir le coffre? Il va ouvrir le coffre? Let's go. Regardez. Du premier coup! Mais! Je viens de faire une dinguerie! Attends, mais. C'est quoi cette puissance de slide? Non, mais quoi? Je peux ramasser son staff si je fais ça? Oh my god. Merci pour le pop! Non, mais on va en avoir de plus en plus de ça. Il y a un joueur, regardez. On va retenter. Je l'ai touché! Oh non, c'est pas moi qui ai le kill. Ce secret, je l'ai mis à la fin, car il est cheaté de. Sur le mode de jeu, tu vas dans code de l'île et tu rentres ce code-là. 62880341-6030. Entre. Bill Fight 1v1, c'est celle-là. Mets-la direct en favori pour pas la perdre et tu lances la game. Bam! Ah, je suis tellement fier, les refs. Alors, on a le logo U ici en violet. On a les armes ici que tu peux changer en tapant le sol pour faire spawn d'autres styles d'armes. Moi, ce que je préfère, c'est le space, l'air et les mini. Il y a même des grappins et tout. Tu peux enlever l'information de ton ATH. Tu peux faire plein d'options cool. T'as la cabine d'essayage. Quand t'as fini de faire un BF et que tu veux tout détruire, hop, tu tires là. Tout se détruit. Tu peux changer le ciel comme tu veux. Comme ça. Ou comme ça, sans rien. Et l'information que tu dois te souvenir, c'est le logo U. Il y a une chance que quand tu joues, à n'importe quel moment, ce logo U se transforme en golden. Au plus tu joues sur cette map, au plus t'as de chance qu'il se transforme en golden. Voilà à quoi ressemble le U golden. Si ce U spawn en or, tu gagnes un truc de ouf ce qu'on a fait sur la map. Donc n'oublie pas, le code s'affiche à l'écran. On se retrouve en game. La chose que j'ai oublié de préciser pour les tryhards d'entre vous, c'est une map avec zéro temps de latence. Ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut, mais pas trop non plus pour que ça lag pas du tout. Comme ça, tes edits et tout, c'est nickel. La fluidité de ton build, c'est la meilleure map de Fortnite. J'espère que t'as kiffé la vidéo, frérot. C'est pas encore fait, pouce bleu, abonnement. On se rejoint bien sur cette map. Let's go. Tenter de gagner 10 000 V-Bucks, les amis. On se retrouve à demain en live pour la coupe Cypher PK, les amis. On va tenter de gagner son skin. Et je t'invite juste à cliquer ici. Tu vas voir une autre vidéo masterclass. Geek comme un porc, c'était une chaîne. Ciao, bye. See you.